Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. La Renault Mégane RS, c'est déjà une saga. Entre les différents prototypes vus à Monaco et à différents endroits, on a tenté de la décrypter sous toutes ses coutures. Maintenant, on va aller la découvrir en vrai avec ses lignes définitives. Les plus chanceux d'entre vous ont aperçu ce prototype camouflé à Monaco pour célébrer les 40 ans de succès en Formule 1 de Renault. Maintenant, on est aux Ulysses, chez Renault Sport, là où a été conçue et développée cette nouvelle Mégane RS, dont on vous fait découvrir les lignes en première mondiale. Un modèle qui va coiffer la gamme RS et qui sera aussi le fer de lance de la gamme Mégane. On reconnaît tout de suite des voies beaucoup plus larges, 6 cm à l'avant, 4,5 cm à l'arrière. Ça se traduit par un kit carrosserie bodybuildé, des ailes larges, des prises d'air, des bas de caisse à débordement qui sont inspirés de la Formule 1. À l'arrière, des ailes larges. On vous montrera aussi tout le traitement de la partie arrière. La filiation avec la Formule 1, elle est manifeste à l'avant, avec cette lame spécifique. Et puis après, pour tout ce qui est l'univers de la course, une calandre en nid d'abeille avec un logo Renault Sport au centre, un petit losange Renault, c'est du détail. Pour le style de la partie arrière de cette Mégane RS, un seul mot, l'efficacité. Efficacité aérodynamique avec un béquet qui est beaucoup plus enveloppant que celui de la GT. Ensuite, le haillon et la signature lumineuse sont identiques au Mégane normal et au Mégane GT. Et après, le bouclier, il reprend les trains large, donc plus d'assises, et visuellement on a un diffuseur, une sortie centrale, ça c'est pour l'efficacité aérodynamique et pour les liaisons au sol. Vous venez de découvrir la ligne bestiale de la Renault Mégane RS, mais ce qu'on attend surtout c'est ce qui se passe sous le capot. Et là on découvre un moteur 1,8 litre TCE, le même moteur qui équipe l'Alpine. Deux niveaux de puissance sont proposés, 280 chevaux pour la Mégane RS, 300 chevaux pour la Mégane RS Trophy. Il y a également deux types de châssis, châssis classique, châssis cup. Deux types de transmission, une boîte mécanique à 6 rapports, une boîte robotisée double embrayage EDC à 6 rapports. Donc Renault ratisse le plus largement possible. Question performance, on nous annonce un 0 à 100 en moins de 6 secondes. Et pour la vitesse de pointe, ce sera au-delà de 250 km/h. Pour l'instant, ça fait toujours l'objet d'homologation. À bord, l'ambiance course est caractérisée par des éléments rouges, aluminium anodisé rouge au niveau du levier de vitesse, au niveau de la console centrale, des surpiqûres qui rehaussent le dessin de ces sièges sport. Et puis, toujours dans cette ambiance de sportivité, on a des inserts façon carbone sur la planche de bord, également sur les contreportes ici et ici. Et puis, le volant en peau retournée avec l'élément central comme en rallye finalise l'ensemble. Contrairement à sa devancière qui était développée sur la carrosserie coupée, cette nouvelle Mégane RS sera uniquement disponible en 5 portes. Profitez-en pour l'admirer en vue de dessus, parce qu'à moins d'avoir un hélicoptère ou un drone, vous la verrez rarement sous cet angle. Cette Renault Mégane capitalise sur de nombreux atouts, commencé par son châssis à 4 roues directrices, le 4Control, une motorisation qui gagne en cylindrée, qui gagne en puissance. Elle sera commercialisée début 2018 en version RS, fin 2018 en version RS Trophy. Vous pourrez l'admirer au Salon de Francfort. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube.